Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Dans cette vidéo, nous allons aborder le Zarai, le salut au sol. Le salut vise une importance toute particulière dans les arts martiaux. Il est symbole de respect, eu égard à son partenaire ou un adversaire lors d'une compétition, son professeur, les juges, les arbitres, etc. Les pieds sont en position Mozubi-dashi, c'est-à-dire en V. Les talons sont joints et pointes de pied ouvertes. Les mains sont au niveau des extérieurs des cuisses. Les doigts sont tous fermés. Tout le corps est droit comme un I. Le regard est fixé sur l'horizon. On descend le genou gauche. Celui-ci se pose dans l'alignement du pied droit. Les orteils sont crochetés. Puis le genou droit. Les orteils sont aussi crochetés. Les genoux sont écartés de 2 points pour les hommes et 1 point pour les femmes. On allonge ses orteils, gros orteils en contact, si possible l'un sur l'autre. On descend le dos bien droit pour s'asseoir sur ses talons. Les mains sont sur le haut des cuisses, doigts légèrement vers l'avant. Les coudes sont collés au corps, les épaules sont relâchées. Ensuite, on s'incline en envoyant les deux mains en même temps en avant. Elles sont placées environ à 10 cm devant les genoux. Les coudes sont pliés. Les doigts sont légèrement dirigés les uns vers les autres. La nuque reste dans l'axe du dos. La tête ne doit ni être penchée en avant, ni être redressée. La tête se trouve au niveau des mains, sans les toucher. Les fesses ne décollent pas des talons. Comme pour le Ritsurei, il est bon de garder la position du salut. Je vous conseille de la garder également environ 4 secondes. Puis on se redresse. On ramène les mains sur les cuisses en même temps et le buste est droit. Pour se relever, on redresse d'abord le corps, puis on accroche les orteils. On relève d'abord le genou droit en posant le pied droit au niveau du genou gauche. Puis, en se mettant debout, on ramène le pied gauche au niveau du pied droit. Je reviens en position Mozubi-dashi. Exemple de salut au sol avec un partenaire. Bon à savoir. Pourquoi descend-on d'abord le genou gauche? Et pourquoi lève-t-on d'abord le genou droit? L'explication nous vient du temps des samouraïs. À l'époque, les samouraïs portaient un katana. Merci. L'idée était donc de pouvoir dégainer aussi bien à la descente qu'à la montée. Le katana étant porté traditionnellement à gauche, si je descends le genou droit d'abord, pour dégainer, c'est déjà un peu plus embêtant. Idem, au moment de me relever, si je lève d'abord le genou gauche, je bloque également la lame. Ok. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre le temps de la liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne.
Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent et tous ceux qui partagent la vidéo. À bientôt !